du nouveau code doivent être très très complètes. Pour exemple, elles doivent être à la fois souples mais pas laxes, parce qu'elles doivent à la fois assurer des sauts très. Alors que certaines mauvaises langues auraient pu dire que dans le temps, les gymnastes de la rythmique étaient très souples mais peut-être un peu laxes. Alors c'était peut-être le cas après les Jeux Olympiques d'Atlanta où on a vu apparaître énormément de gymnastes très très laxes. Mais avant Atlanta, au contraire, on avait des gymnastes très dynamiques. D'ailleurs, dans le nouveau code, on revoit des sauts enjambés battus par exemple, avec plusieurs actions en l'air, qui étaient déjà présents il y a quelques années en gymnastique rythmique et qui avaient disparu. Donc oui, ce nouveau code demande aux gymnastes d'être très complètes et d'autant plus cette année, parce qu'il faut vraiment associer le travail de l'engin au travail corporel pour que les difficultés soient validées. Et une autre des nouveautés du code, c'est l'apparition des éléments originaux. Chaque gymnaste peut, si elle est en mesure de réaliser, proposer des difficultés qui n'ont jamais été faites et déposer comme une sorte de brevet. Ainsi, l'élément sera valorisé uniquement pour elle et pour la durée du cycle olympique. Rattraper imprécis à la fin.